Hello tout le monde! Alors, on est un petit peu dans une ambiance Halloween, si je puis dire, puisqu'il est déjà 6h15 et que maintenant ça commence à faire nuit, hein. Ça commence un peu à être la pénombre, donc du coup j'ai mis un parapluie, voilà, j'ai mis une de mes lumières ici, sauf que d'habitude moi je suis assise par terre quand je filme. Peut-être il va falloir un de ces quatre que je trouve une autre position, parce qu'un de ces quatre, je sais que je ne pourrai plus m'asseoir par terre, mais enfin, j'espère en tout cas. Mais du coup, là, la position debout, je vais pas envie de. Enfin, je n'ai pas envie de tout dérégler. On va essayer de parler français dans cette vidéo. J'ai pas envie de tout dérégler pour pouvoir tout re-régler après dans la prochaine vidéo. Donc là, c'est juste un retour de course. Exceptionnellement, j'ai fait les courses jeudi soir, puisqu'en ce moment, on est en plein travaux dans l'appartement. Et mon papa, donc du coup, vient tous les jours. Il arrive à 7h30 le matin et il repart vers 4h30. Donc je le vois le matin. Puisque moi je pars au travail, il est à peu près 8h moins le quart, 8h moins 10. Et mais par contre le soir je rentre, enfin je termine au travail au plus tôt entre 5h et 5h15. Le temps de rentrer tout ça est déjà parti bien évidemment. Et donc il m'a demandé si vendredi après-midi j'étais là, et même moi, volontairement, je veux être présente le vendredi après-midi pour essayer de participer un peu et ne pas le laisser tout le temps tout seul. Donc du moins rentrer pour manger et puis après faire deux, trois petits trucs avec lui, voilà, que c'est des travaux de peinture, de ménage, nettoyage, etc. Donc, ce qui fait que demain, vendredi, je vais donc partir à midi moins le quart du travail et je vais rentrer directement. Comme ça, on va manger ensemble et après, on va bricoler. Donc, je ne pourrai pas aller faire les courses. Parce qu'après, même s'il part à 4h30, moi, j'ai pas envie d'aller faire les courses. Voilà, à 4h30, une fois que je suis rentrée, je suis rentrée. Donc, aujourd'hui, j'étais à Carrefour. J'avais une petite liste, voilà, de courses, puisque du coup, on a décidé de reprendre les menus avec Simon. Donc, on écrit ce qu'on va manger. Je fais plus des trucs à la wall again où j'achète un peu tout et n'importe quoi et on improvise tous les soirs sur ce qu'il y a dans le frigo. Là, du coup, ça va être un peu plus ordonné. Ça va être aussi, je pense, plus économique et plus pratique, plus rapide pour faire les courses. J'ai toujours le problème des week-ends parce qu'on ne fait pas de menu le week-end. Parce que je vous ai déjà dit que moi, le samedi, vu que je déjeune bien et un peu plus tard que d'habitude, bah, moi, à midi, j'ai pas forcément faim. Donc souvent, ça va tourner toujours une petite soupe ou une petite salade. Alors que Simon, lui, ne déjeune pas quand il se lève le matin. Donc ce qui fait qu'à midi pile, il a les crocs et donc il veut manger. Donc voilà, on prend chacun nos trucs en fait le samedi et le dimanche midi. Le samedi soir, en général, on sort, on mange au restaurant. Et bah, le dimanche soir, en général, c'est pareil. C'est un petit truc de flemmard, petit grignotage ou des trucs comme ça, une salade, une soupe ou voilà, un truc pas forcément prise de tête. Donc il faut quand même que je pense à acheter des trucs comme ça pour lui et pour moi. Pareil, il me faut toujours bah, les yaourts, laitages, etc. pour les desserts, les collations, etc. Petit déj pour moi. Donc au final, c'est pas si rapide que ça, mais c'était la première depuis un petit moment que j'avais pas fait les courses comme ça. Mais c'était rapide et c'était super économique. J'en ai eu seulement pour 40 euros. Donc pour les courses de la semaine. Donc en gros, voilà, je suis plutôt contente et j'ai même profité d'une promo à Carrefour parce que j'ai fait le plein de gâteaux gerblés. Il y avait les promos, en fait, c'était deux achetés, le troisième offert et j'ai pris tous les parfums. Donc je crois que j'ai pris 6 et 6, 12 paquets, comme ça je suis tranquille. Et je pense que ça va aussi faire partie de mes petits déjeuners. Bon. Donc je vais commencer tout de suite. J'ai acheté donc, hop, trois petites sucrines, des petites salades. Ça fait un peu de bruit, c'est bien, c'est le premier truc que j'ai pris qui fait du bruit. J'ai pris pour ce soir et demain matin des crêpes comme ceci parce qu'ils font ça en ce moment à Carrefour, enfin ça fait un petit bout, qu'ils font les crêpes eux-mêmes. Donc ça, c'est des crêpes toutes fraîches qu'ils ont fait cet après-midi. Il y en a 6, ouais, il y en a 6. J'ai pris pour aller avec, bien évidemment, du Nutella. Donc ça, je pense que ça va être notre dessert de ce soir. Et puis bah, demain matin, j'en prendrai aussi puisqu'il en restera pour le petit-déj. Hop, c'est le truc pas bien, mais je suis dans ma semaine zone rouge. Et dans ma semaine zone rouge, je m'autorise des cochonneries comme ça. Ensuite, je vous ai repris parce que la dernière fois, j'avais dit que j'avais craqué. Et au final, on y a pris goût. Donc voilà, comme je suis encore là dans une période où j'ai envie de craquer un petit peu, eh bien, j'ai repris des Danettes. J'ai pris du poisson pané. C'est du filet de colin d'Alaska pané. Elle est en train de tourner autour parce qu'il y a le fil, il y a le parapluie, tout ça, et il y a la peur. Donc ça faisait 10 minutes qu'elle tournait elle, autour pour pouvoir aller boire. Mais bon, là j'ai du filet de limande du Nord Meunière. Voilà, pour essayer de varier un peu, un coup chapelure, un coup panure. J'ai pris des croques soja et blé au fromage de Le Gaulois et c'est dans la gamme végétale. Donc ça fait un peu comme des croques machin, la croque fromage de chez le Gallois, mais sauf que là il n'y a pas de viande. Donc on va goûter ça, ça va être bien sympa. Pour les collations de Simon du samedi et du dimanche midi et des petits frichetis, je lui ai pris quoi? Du poulet braisé, du blanc de dinde doré au four et du blanc de poulet doré au four.
Voilà. Je lui ai pris un savon, son savon préféré, c'est le Petit Marseillais, savon à la verveine et au citron, un gros savon comme ça. Ça, ça lui fait 2 semaines seulement. Ce monsieur ne se lave que le savon. J'ai pris 2 paquets de riz, on va se faire un petit risotto dans la semaine. J'ai repris mes kiris marque magasin, parce que j'ai déjà essayé les kiris, mais au final, c'est moins... Je dis pas que c'est moins bon, mais c'est plus chiant à étaler, puisqu'en fait ils sont vachement plus compacts, et quand je mets sur le pain de mie, bah, au final ça me broie tout mon pain de mie, alors que les marques magasins sont tout aussi goûtues et s'étalent vachement mieux sur le pain de mie. Donc pour mes petits kiwi graines, c'est parfait. Toujours dans la tendance kiwi graines, j'ai repris du pain. Donc moi, le pain que je préfère, c'est forcément, voilà, du pain nature sans la croucroute. Et bah, Simon, lui, est adepte du pain complet. Moi, j'y arrive pas. À la limite, le pain en céréales, oui, mais le pain complet, je n'adhère pas. J'aime pas du tout. Alors, toujours pour Simon, ça, je pense que ce sera pour le dimanche midi, une pizza. Voilà, une petite pizza. Celle-ci, c'est pizza au fromage. J'ai pris la moins chère, en fait. Je vous avouerai que j'ai pas choisi en fonction du parfum. J'ai pris ce qu'il y avait de moins cher. Bon, pour la semaine prochaine, on va se faire une soirée avec sans doute un des poissons que je vous ai montré avant, avec des petits pois. Pour faire notre petit risotto, eh ben, j'ai pris la sauce risotto et j'ai pris des champignons. Voilà, risotto champi, comme ça, c'est bon. Et après, je vous ai dit, j'ai fait la razzia, des paquets de gâteaux. Donc j'ai pris 3 paquets de gâteaux comme ceci, c'est pommes et noisettes. Donc ça revenait à 3 paquets pour 2,60€, un truc comme ça, 60 quelque chose. Donc ça valait quand même vachement le coup, parce que d'habitude c'est presque 2€ le paquet, là du coup ça valait vraiment le coup. J'ai pris ensuite cette version là de chocolat au lait. J'ai pris au sésame. Et j'ai pris cette version-là aux pépites de chocolat. Donc voilà, c'était des petites courses super courtes. Parce que c'est vrai que d'habitude, je suis un peu moins ordonnée et méthodique. C'est-à-dire que là, on a fait un menu, donc j'ai acheté que ce qu'il y avait au menu. J'ai un peu dérivé sur certains trucs, parce qu'on avait prévu des choses, mais que c'était super cher, ou alors qu'il n'y avait pas. Donc du coup, j'ai pris les trucs de poisson, etc. Je pense que pour cette fois-ci, ça ira bien, parce que j'avais pas besoin forcément d'autre chose, et j'ai eu un souci avec ma carte bleue, donc ce qui fait que je n'avais que du liquide, donc il fallait pas non plus que je dépense à outrance. Mais j'avais prévu à la base d'aller faire les courses chez Lidl. Je me suis rabattue sur Carrefour, pour des raisons de logistique, des raisons de temps, des raisons de carte bleue. Voilà, mais je pense que je referai des plus grosses courses chez Lidl, puisque du coup les prix sont nettement plus intéressants. Et voilà, mais par contre c'est un petit peu plus loin, il me faut plus de temps, c'est un peu plus galère pour y aller, donc j'irai un vendredi quand papa sera plus dans les travaux. Mais là voilà, c'était plutôt sympa aussi, comme je ne vous ai jamais fait de haul Carrefour, me semble-t-il, au niveau alimentaire. Bah du coup, c'est un peu de l'inédit, mais il n'y a pas grand chose. Bon, j'espère quand même que ça vous aura plu, je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très vite, à plus.